Yo les gars, bien ou quoi? Je pense les gars, je vais créer un mec bien maffé, bien tchèb, hein, qui est bon en striking, tout ça, un peu un petit McGregor. T'as capté? Donc là, ils ont mis un gars, wesh, il est brosson le frérot. Moi les gars, c'est kickboxing moi. Le Brésil, la Chine, la Serbie, Akalkalaki. Ah la dinguerie, wesh. Bon, Nigeria les gars, on a toujours pas trouvé de blaze, hein. Wesh, c'est comme mon surnom, Big Daddy, Blood, Bulldog, Butcher, Chico, Diesel, Cyclope, Black Mamba, on va l'appeler, les gars. Ah ouais, Mombalak. Oh, le blaze, déjà, il arrive, on te dit, tu vas te battre contre Mombalak. Déjà, t'as peur, déjà. Tu te dis, wesh, comment ça, Mombalak? Wesh! Je rends, on dirait pas fraîche la peufra? Non, ça, c'est trop carré, ça. On dirait vraiment un tonton. Vous savez, les tontons, là. Les tontons qui sont sévères. Les tontons camerounais qui sont sévères, là. On a tous un tonton comme ça. D'une famille un peu à côté. Il frappe ses enfants. Un tonton qui frappe ses enfants. Il a la même barbe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par pitié, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Oublie pas, il a 18 ans. La vérité, c'est vrai, il a 18 ans. Oh putain de merde. Oh, je suis cuit. T'es ma, ouais, on dirait il a 45 ans, le frérot. Ah ouais, il a du vécu, hein. Et lui, il est vénère. Oh là là, là, c'est bon, on l'a trouvé, les gars. On l'a trouvé. Warren Mombalak. Ah ouais, on est balèze, hein. T'es mal le nez. Putain, il respire. Ah ouais, il consomme la respiration, lui, hein. Putain de merde. Et lui, il sera cardio. Oh, lui, il va être cardio, les gars. Inclinaison des narines. C'est quoi ce bordel? Largeur du nez, wesh. Le nez, il est quoi? Eh, tu me mets une droite, mon gars. Tu me mets une droite. T'as grave mal à la main. Oh putain, je suis mort, les gars. Voilà, hauteur de la mâchoire. Largeur de la mâchoire, let's go. Vraiment, voilà. Oh là là, la tête d'homme, il fait peur. Vous avez vu? T'es mal à largeur de la mâchoire. Oh, il mange 45 chewing-gum par jour, wesh. Et il mâche des cailloux ou quoi, le frérot? Oh, la largeur de la mâchoire, frère. Mais frère, il fait trop peur. Grosseur de la mâchoire, mes frères. Et son dos, c'est une carapace, frérot. T'es pas à l'UFC. Ouais, je sais, là, je suis un amateur, là. Mais croyez-moi, je peux pas rester longtemps un amateur, les gars. T'as pas vu sa mâchoire? Tape les gens pour vivre. Let's go. Pour le Nigeria, les gars. Pour le Nigeria. La rue. Donc là, les gars, on est au Nigeria. La capitale. Dans la capitale. On est là pour abattre. Nadie, t'inquiète, c'est facile. T'as déjà joué? Je me pète à contre lui, là? Laisse-moi deviner. Pourquoi tu es pas au courant de ce que tu fabriques? Eh, je dois faire ce que j'ai à faire, non? Voilà. Alors fais ce que t'as à faire. Voilà, 18 ans, les gars, il a séché les cours, là. Il va sécher les cours là, il va se péter. Combien il a 40 ans? Hey, t'as pas un message pour notre public? Qu'est-ce qu'il y a, ouais, celle-là? J'ai un message pour vous, c'est moi la future star de l'UFC. Ouais, voilà. Voilà Warren. Warren Mombalak, il a dit les termes. Et la conspiration, elle est bien faite, hein, okay, comparé. Là, ils ont bossé là. Voici les deux athlètes de cette édition des combats dans la cour. Dans ce coin à ma droite. Ok. Eh oui, c'est l'athlète qui a fait le buzz. Voilà, dealer, les gars. Et de l'autre côté de la cage, à ma gauche, une valeur sûre, notre spécialiste du combat dans la cour. D'accord, vas-y, rase-toi, là. Vous voulez voir un petit peu d'action? Et lui, il est balèze, hein. Junior, t'as pas choisi ton style de combat. Si, j'ai mis kickboxing. C'est parti, les gars. Premier coup. Wesh, il est vif, hein. Voilà. Mais les deux premières patates, exactement. Voilà, pfff, là, 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 là. Tiens, oh, t'as mal à la jambe, non? T'as mal à la jambe, non? Ok. Et ils ont modifié les touches, là. Comment on met des high kicks? Voilà, c'est terminé. Trace dans son crâne. Oh, c'est une dinguerie. J'étais ma son arcade là.
Miskin. Non, les gars, ce qui va se passer, ça va être très noir. Ça va être noir ce qui va se passer dans cette carrière. Je vais casser la gueule de tout le monde. Je vous l'avais dit, je suis le meilleur. C'est chez moi ici, c'est chez moi. Voilà. Franchement, c'était de la folie. Les termes. Ton coach a raison. Tu devrais peut-être te battre ici parce que sérieux, ton niveau éclate tout le monde. Ce chaos, il va faire le buzz, crois-moi. Tout le monde était en train de filmer. Voilà. Faut pas que le coach voit ça. Il va le voir, ça je peux te le garantir. Ah, c'est bien fait en vrai. Hein. C'est quand même un minimum pour miser. Ce serait grave lourd. Boum, c'est plié là, ok. Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas possible. Oh oh, mais qui voilà? C'est pas Alex Pereira? Oh, non, 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 non. Ça c'est Brandon Moreno. Ah, non, je déraille. C'est Michael Chandler. Là. Je t'ai même pas drôle, frère. Ah non, je sais exactement qui c'est. C'est cette star des réseaux sociaux à qui le coach a demandé explicitement d'arrêter de faire des combats dans la cour. C'est pas vrai? Franchement, coach, je te pourquoi j'ai les dents noires? C'est la dernière fois que oh, je signais pour t'en ça. Fais pas. Je sais que c'est la dernière fois. Je c'est quoi ces dents là? Parce qu'aujourd'hui, on va commencer à s'entraîner pour de vrais combats. Attends, tu viens de dire de oh, vrais combats? Regardez-le, il est surexcité. Comme si je te faisais une faveur. Tu sais quoi? Je crois qu'il y a un bug, hein. On va passer ton entraînement au niveau. Oh, ces dents, elles sont noires, frère. Changer, échauffe-toi et on se retrouve au sac. Tu peux simuler les entraînements, jure, c'est vrai? En vrai, si on peut. Non, mais simuler, ok. Mais je veux dire. Progresser en même temps. Simuler et progresser. Parce que des fois, quand tu simules, tu progresses pas. J'en sais rien. T'as pas dû changer. À la forme. Écoute. Je sais pas. Je vais pas te mentir. Ce chaos était assez impressionnant, c'est vrai. Ouais, mon ref. T'as un talent naturel, mais t'avais pas non plus un monstre en défense en face de toi. On te l'a bon, dit. Tu pourrais battre des adversaires comme ça à la chaîne avec la même frappe. Quand le niveau augmente, par contre, il faut plus de technique, ok? Ouais. Alors, dans on va charbon prendre les bases au de sac ouf, histoire de s'échauffer. C'est un bug, c'est un bug, wesh. Il y a pas de mise à jour. Okay. Le jeu, il est même pas sorti, c'est pour ça, il sort dans une heure. Alors, mais là, les dents, elles sont, les dents, elles sont noires, là. Tu saisis l'importance de gérer ton endurance, maintenant. Si tu continues à envoyer tes coups sans arrêt, tes attaques seront plus lentes et plus faibles. Les sacs, ça contre-attaque pas. Les partenaires de sparring, si. Tu garderas ça en tête pendant qu'on s'entraînera dans l'octogone. Il porte des protège-dents, il a dit. Une bonne défense, ça fait gagner ton titre. Mais en MMA, on sait aussi que ça peut t'éviter un méchant chaos. Et justement, on va se concentrer là-dessus avec la défense. Le blocage, les mouvements de tête et les appuis pour éviter de prendre des coups. C'est bon? Ouais, ça marche, coach. Ok, c'est on va s'entraîner en défense, on va se faire goumer un peu. Hein. Faut passer par là, les gars. Eh, hey, voilà, bien joué. Eh, hey, t'as vu que ça fait mal au bras quand tu bloques plusieurs frappes d'affilée? Ouais, c'est là que ton adversaire commence à passer à travers ton blocage. Quand ça arrive, pense à bouger ta tête. Bouge tes pieds, mets de la distance, donne du temps de récup à ton corps. Il donne des vrais conseils, en vrai. Hein. Je comprends, ça fatigue à force. Ça m'empêche aussi de voir les coups arriver. Ouais, c'est quoi cette voix de daron là? Il a 18 ans, frérot. Esquive consomme ton endurance également. Donc, quel que soit ton choix, attaque, blocage, fente ou évitement, il faut que tu saches gérer tout ça. Voilà. Un combat se déroule par phase. Écoute le tonton. C'est loin d'être court. Donc, guette la moindre occasion de récupérer. C'est compris? Ouais, monsieur. Ok, on va se refaire un round. Essaie d'appliquer mes conseils. Il est surmaffé pour. Bien. Le jeu, il est fluide. C'est une dinguerie, wesh. C'est ça. Tu vas pouvoir passer à l'action. Mais n'oublie pas, c'est très facile de s'enflammer et de laisser l'adrénaline. On va pouvoir se péter, enfin. Lors d'un combat. Concentration. Garde le contrôle. Les gars, je mets une prédit. Prochain combat, je gagne au premier round. Dans ce combat. C'est clair? Oui ou non? Misez, les gars. Est-ce que à mon prochain combat, je gagne au premier round? Ok. On se voit là-bas, coach. La prédit est lancée. Du coup, demain, tu live ou pas? Peut-être tard le soir après le foot. Hein. Je sais que dans UFC 5, non, 4, il y a un combat comme ça dans une sorte de parking et tu es obligé de perdre. Oh, enchaînement. Enchaînement de l'entraînement. Tiens. Ok. Ok. Yay. Attends doucement. Ah ouais, ça joue. Hein.
bloqué. Viens, mon reviens. Viens. Tiens. C'est qui chez moi? Voilà. Mon balak. Monsieur mon balak. Monsieur mon balak. Après, bon, ça sonne. Hein. Voilà, lève-toi. Ça résonne là. T'entends là? T'entends? Est-ce que tu m'entends, mon ref? Est-ce que tu m'entends? Je suis mon balak. Le mec, il a fond dedans. C'est bon, les gars, vous avez misé? Ok. Ok. Donc, c'est fini. C'est terminé, les gars. Mon balak. Victoire, premier round. Je ne veux rien savoir d'autre. Logique, logique. Je vais te dire. Ouais, j'aime quoi celle-là? J'ai pas d'amis ou quoi? Ouais, j'aime caresse là. Et t'es pas là quand je perdais au Nigeria, wesh. Quand je galérais tout ça au Nigeria, elle était pas là celle-là. C'est que cette folle-là, cela. Oh, 2K les gars, j'ai gagné. Ah ouais. Ah, j'avoue, attends, je vais vérifier. Ok, pas mal du tout. Allez, viens voir. Ah, j'avoue, le délai, il est loin. Travaille ton combat l'autre soir, ok? Mais c'est faut que je règle dans les réglages là, parce que là c'est chaud. Franchement, on l'a pas beaucoup travaillé à l'entraînement. Alors prépare-toi parce qu'on va y passer les prochaines heures. D'abord, bah, je mets la prédit pour le prochain combat. Cette fois-ci, je mets 2 minutes. C'est bon, on s'y met quand tu veux, coach. Allez, c'est parti. Allons-y. 2 minutes. Je pensais que c'était obligé. Bien, cool. Ouais, c'est bon, je peux tuer. Respire, reprends ton souffle. C'est déjà là, voilà, dans un vrai combat, quand je vais aller au sol, je serai dans la merde, les gars. Ok. Si t'as plus d'endurance que ton adversaire, tu pourras te défendre plus facilement sur les takedown, te libérer des soumissions et te relever en vitesse. Et t'as le droit de prendre ton temps quand t'es au sol, ok? T'as pas à bouger immédiatement, pas besoin d'être tout le temps en action. D'accord. Pas me précipiter, c'est comme en combat debout. Exactement, oui. Bon, on va passer au grappling offensif. Il faut amener le combat au sol et aller chercher la finition. Compris? 5 sur 5. Vas-y, je te regarde. Ok. T'es foutu. Abandonne. Wesh, il a la tête rouge, hein, les gars. Regardez, wesh. Et sa tête, elle est devenue rouge. Ok, ok. Oui, merci d'avoir bercé mon enfance. Bien vu, mon gars. Tu te débrouilles pas mal en grappling, finalement. Démarre-le, enchaîne le KO, wesh. Doucement, hey, t'es un psychopathe, toi. Ne panique pas si ton adversaire tente un takedown. Ok, tu peux lancer des petites frappes pour déstabiliser l'autre. Le jeu est ça incroyable. Peut donner l'avantage quand tu vous pouvez encore voter, les gars. J'ai eu revers les votes. Est-ce que, à votre avis, au prochain combat, je gagne en moins de 2 minutes? Je sais, coach. Allez-y, les gars, misez. Ok, ok. On verra ça. L'athlète qui t'attend pour ton prochain combat envoie du lourd en grappling, je te préviens. Ok, pas de soucis. Tu peux t'accrocher en défense et essayer de rester debout. Mon prochain combat, les gars, il est chaud en grappling, apparemment. Terrain, comme tu veux. Quoi qu'il arrive, il faut se préparer à tout. Ça va aller? Ouais. Ok, on se voit là-bas. Ok, à plus tard. Ok, prochain combat, let's go. Ça va bien se passer, les gars. Est-ce que je gagne en moins de 2 minutes contre un gars, là, qui est chaud en finition? Tiens, les refs. Demain matin, tu vas pas live? Non, même pas. Hein. Demain, j'ai un tournage. Et il faut que je coupe la prédit là. C'est parti, les gars. Moins de 2 minutes, ça veut dire à 3 minutes, il faut que j'ai fini mon combat. Ok. Ok. Je crois, tranquille, on se met en confiance. Viens là, coup de genou. Mon balak. Vas-y, viens. Mon balak. Wesh. Ok. Viens là. La castagne. Et. Allez, vous les mettez dans le sol. Wesh, oh la D, je suis foutu.
Ah, s'il veut aller au sol, je suis foutu, les gars. Eh, les gars, il me reste 20 secondes. Ok. Ah ouais, j'ai pas fait ça, les gars. À le mettre KO. Les gars, la Prigi, c'est non. Wesh. Oh, je l'ai fumé. Oh, il est trop bien fait le jeu, wesh. Comment ça, tu as de fumer des gens comme ça? Tiens, c'est fini, les gars. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, mon bac. Oh, le bâtard. Ok, ma conne. Les gars, le jeu, c'est un plaisir. Wesh. Heureusement. Ok. Tiens, c'est fini. C'est fini, les gars, c'est fini, c'est fini, c'est fini, mon balak, vas-y, vas-y. C'est fini, les gars, c'est fini, mon balak. Mon balak. La réponse est non, les gars, j'ai pas gagné en moins de 2 minutes. Je suis désolé, j'ai fait ce que je pouvais. Mais le jeu, il est bien fait, hein. Eh, les gars, vous avez vu comment c'est agressif? Bah. Ah ouais, frère, sa tête, elle est partie loin. Non, franchement, le jeu, les gars, on va faire des nuits blanches dessus, hein. Regardez-moi comment il s'est posé dessus. Il a attaqué tel un animal. Regardez-moi les bruits. Oh, les bruits de zinzin, frère. Il n'y aurait pas d'arbre, il aurait jamais abandonné. Il aurait continué. Trop facile pour ce tonton. C'est pour ça qu'il faut me signer. On dirait que je suis Doumbé contre... Comment il s'appelle? Contre Jordan. Des patates, vraiment. Mon balak, quel homme, quel joueur. Allez, continuez l'aventure là. Faites-moi signer, les gars, s'il vous plaît. Ça va pas se laver. Ah, frère, ça va pas se laver. Les gars, pour vous, le jeu sort dans 25 minutes, hein. Ouais, encore une victoire. Aïe, aïe, petit joke. Alors, petit jean, petit t-shirt. Super bien, coach. Je suis trop content de ce dernier combat. Mais bon, il me reste des trucs à bosser. Exactement, j'ai hâte bosser. De m'y mettre. Hey, c'est pas pour te décourager, mais il y aura toujours des nouveaux trucs à travailler, ok? Et le jour où tu te diras, il y en a plus, là, ce sera peut-être le moment de raccrocher, ok? Mais t'as raison, il y a encore des choses à bosser. Va te préparer, je te retrouve dans la cage. Pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, je vous présente Warren Mumbalak, originaire du Nigeria. Et il a que 18 ans, les gars. Bon, allez. Il a que 18 ans. On met le paquet sur le sparring aujourd'hui. On dirait okay. Pas. Hein. Les frappes, le grappling, tout est permis. Mais sachez que le frérot, il a 18 ans. Situations plus difficiles pour prendre les bonnes décisions. Gagne par soumission. Moi, je vais essayer. Par exemple, admettons qu'on a pris quelques coups ou des frappes plus méchantes. Ton premier réflexe serait sans doute de riposter dès que possible, hein. Eh bien, oublie ça. Ok, t'as qu'à voir ça. Comme un jeu vidéo. Chaque fois que ta barre de santé est basse, je veux pas que tu te précipites dans l'action, ok? Donne-toi quelques secondes pour récupérer. Parce que dans ce sport-là, chaque fois que ta barre de santé baisse, ça remonte un peu moins vite. Pigé? Ouais, je vois la logique. Donc plus on se blesse, plus on se blessera facilement ensuite. Oui, exactement. Tu comprends vite, mon balak. C'est ça que j'aime bien chez toi. Ouais. Alors le dernier UFC, t'en as pensé quoi? Pas mal. Carrément, quand on regarde, on a peur. Frère, il fait peur. Hein. Mais bon, là c'est pas un jeu vidéo, c'est la vraie vie. Voilà, okay, c'est la vraie vie ici. On reste concentré. Allez. Ici, c'est pas la play ici, les gars. Tête de doigt. Vas-y, viens. Allez, carré, carré. Bien joué, mettez-moi un prochain combat, joué, vite. Alors, comment tu te sens? C'est bien. Ouais, prochain ouais, combat, les gars. Ah, tant mieux, c'est ce que j'aime entendre. Bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme prédit, en vrai? C'est encore plus important de penser à récupérer. Alors, garde ça bien en tête pour le prochain combat qui arrive. C'est le plus dur à ce jour. Mais... Prochaine prédit, les gars, est-ce que mon adversaire va réussir à me mettre au sol? Même voilà, jusqu'au bout. Ça dure jusqu'au deux bout. Minutes, les gars, c'est parti. Allez, repose-toi. Est-ce que mon adversaire va réussir à me mettre au sol okay. au moins une fois? Okay. Oui ou non? Si vous pensez qu'il va réussir, vous mettez oui. Si vous pensez qu'il va pas réussir, vous mettez non. C'est parti, les gars, misez, hein. Bientôt, je me barre, demain, j'ai cours. C'est pas les vacances, là? Ah ouais, bizarre. Hein. Comment ça va? Let's go. Il y a Dana White, là? Était au point. Alors voilà un dernier petit conseil de la part de ton coach. Regarde ton adversaire. Pas bah, des recruteurs là. Ça paraît bête, mais ce que je veux dire. Je suis fauché là. Comment sont ses attaques?
Comment est sa défense et quels sont ses meilleurs combos? Si tu réussis à l'analyser, ton les gars, est-ce que mon adversaire va réussir à m'emmener au sol? C'est pour ça que mes attaques doivent pas être trop précises. Takedown. Après, si c'est moi qui le mets au sol et que je le goume par terre, je vais pas te dire et qu'après il réussit à monter sur moi, etc., c'est pas lui qui m'a amené au sol. C'est lui qui me porte, qui me met au sol ou qui me met une patate, je tombe par terre. Je jouais pas sur les mots. Par pitié, je ne jouais pas sur les mots. Bonne chance, mon ref. Wesh, doucement, ma gueule, wesh. Ok. Il va pas réussir, les gars. Il va pas réussir. Ok. Okay. Tiens. Bah alors mon ref. Gagne par soumission. Ça serait tellement lourd si j'étais un lutteur. Tiens. Ok. Ah bizarrement j'arrive pas à faire les longs changements comme à l'entraînement. Ok. Concentré jusqu'à la fin toujours. Allez mon balak. C'est bon, il est mort là. Tiens. Bah alors mon balak. Voilà. C'est bon, il est fini. C'est bon, il est fini. Il est fini. J'aurais pu le finir, mais je veux m'amuser avec lui. J'ai envie de bien le goumer, tu vois. Tiens, lève-toi. Voilà. Coude, c'est cheaté. Ah ouais? Les gars, est-ce que mon adversaire m'amène au sol? La réponse est non, hein. Je suis désolé, les gars, il a pas réussi, wesh. Aïe. Elle était violente, hein. Je pense que c'est insolvable après ça en vrai. Ouais, en plus là on est en amateur, autant arrêter là. Hein. T'imagines, t'es en amateur, je prends un KO comme ça, je pense autant arrêter. Avant de percer et craindre, tu prends ça devant tout le monde. Frère, Mumbalak en face. Il est faible, ok, mais c'est quand même Mumbalak mon pote. On dirait le mec en face, il veut pas se battre. Ou ça se trouve, il a peur, ouais, je sais pas. En plus, il a une grosse mâchoire, hein. Regardez, il s'appelle Vargas, frère. Quand même. Un mec s'appelle Vargas. C'est un latino chaud, tu vois. À la base. Salut la star des réseaux sociaux. Ouais, toi. Des fois, il y a des vieux trucs qui refont surface parce que quelqu'un les a repostés. Tu vois ça? C'était il y a des mois, coach. J'en ai fini avec ça. Ouais, je sais. Mais regarde qui l'a posté. Dana White. Et Dana White. Ça doit être un faucon de ça. Pourquoi je suivrai un faux compte de Dana White? Mais tu déconnes, c'est de la folie! Et tu sais ce qui est encore plus fou? J'ai reçu un appel de l'UFC. On te propose une place au Contender Series de Dana White. T'étais sûrement déjà sur le radar. Ça y est, les gars, je vais percer. Les gars, on a tapé dans l'œil de monsieur Dana White. Sérieux, là? Je déconnerai pas avec ça. Ça va bien se passer. C'est pour de vrai. En plus, j'ai une de mes amies qui vient de m'appeler pour me dire qu'on peut s'entraîner à l'UFC Performance Institute. Alors fais tes valises, la star. On part à Las Vegas, non. Ouais. Oh mais non, Las Vegas, ouais. Tu crois pas, c'est ouf. Ouais. Oh la voix de Gol, mon frère. Oh, j'y crois pas, c'est ouf. Tu live sur Kick? Non, même pas. Hein. Ça y est, Kick. Coach. Ouais. C'était Forrest Griffin là-bas. Eh ouais, je sais. Le grand Forrest Griffin, membre du Hall of Fame UFC. Écoute, tu vas voir des tas de combattants ici, ok?
J'espère, trop bien. Reste concentré, mon balak, là. On n'a pas l'air pour faire la groupie, là. On est là pour casser la gueule de tout le monde. Alors, qu'est-ce que t'en penses, hein? Wow. Ouais. C'est dingue, coach. Il est incroyable, cet endroit. Tu vois, il fait la groupie, c'est ça que j'aime pas. Reste concentré, mon balak. Merci à vous. Et je la connais, c'est pas Valentina, je sais pas quoi, là. Y a pas de quoi. Et voici votre dernière révélation, c'est ça? Star des réseaux. Valentina, enchantée. Ah ouais. Oh, okay. Je connais, hein. Putain. Eh, les gars, je connais, ça y est. Enfin, Valentina. En fait, ce que je veux tiens, dire, tiens, c'est Valentina. Un plaisir de vous rencontrer. Vraiment. Plaisir partagé, enchanté. Hey, tu peux lâcher sa main? Quelle énergie, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Et on va la mettre à profit ici. C'est un endroit incroyable. Je trouve aussi. C'est le meilleur centre d'entraînement au monde. Tiens, 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 Valentina. Ça. T'as entendu? Tu fous pas t'as le bordel ici. Ça date, il l'a pas fait. Tu sais que c'est une des meilleures, hein? Elle va te mettre une dérouillée, me traquer et m'en mettre une à moi aussi. Ah ouais, elle est tactile là, hein? C'est bizarre. Allez, va te préparer. À plus. Ouais, coach, pas de problème. Valentina, la piscine thérapeutique. Ah ouais, elle est tactique avec tout le monde, en fait, j'ai rien dit. Je pense qu'on peut vous arranger ouais. ça. Elle est vraiment tactile avec tout le monde. J'ai cru qu'elle avait une touche. Que dalle. Ah, maintenant, c'est Jika, maintenant. Et maintenant, les gars, combat Jika, victoire Jika. C'est bon, pas bah. On signe Dana White Contender Series. Ça va bien se passer, les gars. Ça va bien. Alors, lui, il s'appelle Juan Delgado. Ah ouais, il est sec, hein. Il est sec, wesh, les gars, ça se fait Abdel Goumé. 27 ans, 1m96, hein, quand même. Hein. Wesh, il est grand. Hein. 84 kilos. On accepte, les gars, ou on prend un autre. Vas-y, on va accepter, on va le goumé vite. Premier combat. C'est fluide, c'est bien. Premier combat chez les Dana White, super. Amateurs. Très bien. Voilà, au Dana bon. White World Series, là. Mon entraînement était au top. T'as le bon niveau pour ce combat, ok? Tâche de te souvenir de tout ce qu'on a travaillé. Prends ça soin bien de ton endurance. Attaque, défense, analyse l'adversaire. T'inquiète, okay, tu me connais. Quand ça devient chaud, garde la tête froide. C'est quoi la prédit? Est-ce que je gagne au moins de 3 minutes? Eh, c'est elle qui le dit. Désolée de vous interrompre. Je voulais juste vous souhaiter bonne chance pour la suite. J'espère que votre séjour s'est bien passé. C'est incroyable, vraiment. Merci beaucoup. Ouais, en effet. Et on espère pouvoir revenir un jour. Ouais, mais... Gagnez votre combat déjà, ok? Bonne chance. Elle m'a pris de vitesse, j'allais le dire. Bon alors, comment tu te sens? En forme pour le spectacle? Je suis à fond, coach. C'est ça, va chercher la victoire. Allez, go. Vas-y. Vitinha, Wado, Vitinha, Emery, tout ça. Et ils étaient chauds. Hein. Dommage d'Embélé le but. Hein. Il avait besoin de ce but, Miskin. 27 ans, il est plus grand. Contre un Mombalak. Mombalak, frérot. Victoire en moins de 3 minutes, ça veut dire. Dès qu'il a marqué 2 minutes, c'est fini. Ok. Ok. Ok, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non, 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 j'ai contré, j'ai contré, j'ai contré. Ouais, j'ai contré, frère. Allez, mon balak. Comme Nigeria, comme Nigeria, comme Oblade. Et. Le gars, Belek, hein. Oh, il est malin. Il est malin, il voudrait aller au sol. Il a capté qu'il a pas de niveau de mon balak. Le striking. Tiens. Capte, t'as qui parle du striking de mon balak. Hein. Wesh, les gars, il y a marqué Prime là. C'est la boisson de Logan Paul, les gars. Dinguerie, wesh. Je sais pas si vous voyez là. Logan Paul et KSI. Wesh! Vas-y, vas-y, finis-le, oui! Vas-y, vite, vite! Il reste 6 secondes! Non! J'ai pas réussi, les gars! J'ai pas réussi en moins de 3 minutes! Bon, mais non!
va essayer de gagner maintenant. Attends, ne me dis pas. Non, il me fait une soumission. Par pitié, ne me dis pas que je vais perdre en soumission. Dégagement soumission, tac tac, défense soumission, R2, track. En plus, ils ont changé le mode de soumission. Bélé que je perds, les gars. Bélé que je perds en soumission. Allez, mon ref. Wesh! Comment? Ouf! Et ça a changé la soumission. Je me dis, heureusement, ça a l'air plus facile à défendre. Vas-y, lève-toi. Voilà! On va se battre. Ouais. Il reste 30 secondes à tenir au sol. Hein. Goume-le, goume-le. Ouais, je ferais casse les couilles, ça y est. La réponse est non, du coup. Aïe, aïe, c'est dur, hein. C'est la première fois qu'un gars tient plus de un round. C'est scripté. Non, mais c'est un lutteur. Tous les gars, faut essayer de pas aller au sol. La vie, je joue pas au sol. Hé! Hey, mais c'est pas réaliste. Cet arbitre là, il arbitre aussi les trucs series là. Normalement, lui, c'est un arbitre pro, non? Il est partout cet arbitre, wesh. Tu vas te bagarrer dans la rue, il sera là. Ça va, frère. Normalement, il arbitre les pros, wesh. Quand t'as plus d'énergie et que t'es ramené le sol, trop compliqué de ouf. Bélec, Bélec. Contrer, contrer, tranquille. Tranquille, 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 on gère. Voilà, merci. On gère. Merci, on gère. On va pas aller au sol avec lui. Oh la D, il m'a eu. Putain, j'étais bien. Merci. Aïe. Tiens, ramasse ton péroné, frérot. Et il s'est mis au sol. Ok. Bah alors, on a la cuisse, hein. Tiens. Mon balak, les gars! Mon balak! Quel homme! T'es mal le direct. Bim! Dès qu'elle a sa mâchoire là, bien fait. Au nom de Dieu. Et pourquoi t'as le seum? Ça me boit la main, frérot. Soumets-toi à la dictature. Warren, mon balak!